Coucou mes addicts! Ça y est, la Dégustabox est arrivée et c'est parti pour l'unboxing de cette Dégustabox du mois de mai. Alors, mes addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, je profite de mon jour de repos hebdomadaire pour vous faire cet unboxing. Je viens juste d'aller chercher la Dégustabox du mois de mai. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis abonnée à la Dégustabox, qui est une box alimentaire. Donc, voilà, qui coûte 15,99€ mensuellement. Et j'y suis abonnée depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on reçoit donc tout ce qui est dans la box. Donc, je ne vais pas me spoiler, que je vois déjà. Et ce mois-ci, on a reçu une réduction spéciale sur les abonnements. Donc, je vous laisse screener, voilà, si ça vous intéresse. Et puis, voilà. Donc, c'est parti pour cet unboxing. Ça, j'avais hâte de la recevoir. Et puis, bien entendu, vous aurez tous les montants de ces différents produits. Alors, on commence. Alors, le thème du mois de mai, c'est pique-nique. Il y a à chaque fois un thème. Donc, voici. On a reçu. Donc, j'aime énormément cette marque. C'est la marque Bretz, qui est vraiment excellente. Et on a un format XL. Donc, très bien. C'est absolument indispensable, l'original. Juste une pincée de sel de Guérande. Donc, des chips d'une contenance de... C'est écrit format XL 250 grammes. Donc, voilà, format XL 250 grammes. Donc, voici donc pour le premier produit. Le second, donc, c'est de la marque... Et là, donc ketchup, tomato ketchup d'une contenance de 300 ml, concentré de tomate, donc ça a l'air d'être pas mal, 82% de concentré de tomate, donc ça, très intéressant, le côté un peu plus naturel. Ensuite, ah, du chocolat, ils savent que je suis gourmande ou quoi? Donc, on a une tablette de chocolat Milka tendre aux noisettes, donc 85 grammes. Donc, effectivement, pour les pique-niques. Ensuite, on a de la marque Pages. Ah, mais je le mettrai dans mon... Effectivement, dans ma petite bouteille d'eau, là, pour le travail, ça sera bien, parce que j'ai tendance à ne pas boire assez, à ne pas boire du tout, même. C'est une infusion à froid de la marque Pages. Donc, le parfum, c'est melon basilic. Donc, voilà, melon basilic fraise. Donc, c'est bien. Déjà, fraise basilic, ça va très bien ensemble. Donc, melon. Et voilà, donc, il y a 20 sachets. Donc, super. Très intéressant. Ensuite, nous avons... Ah bah super, ils veulent vraiment me faire boire. Donc, on a la Vittel saveur citron vert. Ça, j'aime beaucoup. Citron vert de 1 litre. C'est pas gazeux, forcément. Normalement, hein. Oui, je dis pas de bêtises. Donc, à l'eau minérale. Donc, ça, c'est très bien. Très, très bien. Excellent. Ensuite, nous avons des raviolis de la marque Magie d'une contenance de 800 grammes. Donc, c'est très bien vu qu'on est une famille nombreuse. Donc, c'est très, très bien pour les soirs où on ne sait pas trop quoi faire. Donc, voilà. Allez, je dépose les raviolis. Donc, j'ai plus de place sur ma table, mais bon. C'est ma table à maquillage, donc c'est normal. Ensuite, nous avons des lustucrus. Donc, des torsades. Donc, il a un peu morflé le paquet. Hein.
Donc 250 grammes au blé complet. Donc très intéressant, très rassasiant, c'est super bon, nutritivement parlant. Donc très intéressant avec le ketchup. Très bien. Ensuite, l'on a le de la marque La Boulangère. Donc des pains suédois pour faire les sandwichs pour le fameux pique-nique. Donc voilà, d'une contenance, donc il y en a 6. Donc 6 pains suédois, donc 180 grammes. Pour mettre sur le pain suédois, on a donc un tartinable saumon aneth. J'aime pas l'aneth, mais bon, je goûterai quand même. Et c'est combien de grammes? 90 grammes. Donc voilà, de la marque Les Bons Mets Bio. Donc super. Chair de saumon à 50%. Crème fraîche, flocons de pommes de terre, extrait de romarin, huile d'olive, aneth. Intéressant. Et pour terminer, nous avons donc un petit paquet donc de la marque Petit Navire, des filets de maquereau à l'huile d'olive, citron et gingembre. Pourquoi ils mettent du gingembre? C'est pas vrai. Ils auraient pu s'arrêter à citron et pas mettre de gingembre. Voilà. Donc là, vous connaissez mes goûts et mes aversions. 90 grammes. Donc, tout ce qui est gingembre, estragon, aneth, cumin, coriandre, c'est, voilà, c'est non pour moi. Voilà, je n'aime pas ça. Donc, mais j'ai tout fait tomber. C'est terminé pour cette Dégustabox du mois de mai. Je vous attends donc dans les commentaires si vous aussi vous êtes abonné à cette box, si vous ne l'êtes pas également, pour justement partager votre avis concernant cette box alimentaire. Dans la description en dessous de toutes mes vidéos, vous avez les liens de parrainage. Donc, si vous voulez en bénéficier, vous allez justement gagner 10 euros sur votre première box. Et moi également. Donc, voici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, on like la vidéo. Vous savez combien c'est très important. On s'abonne par extension. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.